Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Nous sommes très peu de temps avant le concert de Julie Zenati, donc en pleine tournée. Tu es bassiste de la tournée, mais je crois que tu as aussi plusieurs rôles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Mais oui, sur la tournée, on m'a demandé de faire la basse, mais aussi les chœurs. C'était une des demandes de Julie. Tous les musiciens font des chœurs sur la tournée. Et puis, le petit plus aussi, c'est que je fais un peu de guitare acoustique. Donc, sur certains titres acoustiques, c'est piano-voix. Et on a choisi de faire un medley en incluant deux guitares acoustiques et un caron. Donc j'en profite pour sortir ma guitare acoustique et jouer un peu aussi. Alors évidemment sur une tournée, beaucoup de dates, beaucoup de voyages pour les hommes et les instruments. Peux-tu nous dire quel type de cordes tu utilises pour ta basse ? Alors moi je joue depuis, j'ai eu l'occasion d'essayer beaucoup de marques de cordes en fait depuis une quinzaine d'années et il y a je dirais 8 ans à peu près, je me suis arrêté sur les Blue Steel, les Dean Markley. Parce que j'ai trouvé que c'était à peu près les seules cordes qui dès le premier jour sonnaient vraiment. Donc je suis resté sur cette marque. J'ai changé un petit peu les tirants, c'est-à-dire qu'au départ je jouais en medium light, maintenant je joue en light depuis quelques temps sur la 5 cordes. Ce que je trouve très intéressant, c'est que il n'y a pas de son de casserole, c'est pas clinquant dès le premier jour. Quand je fais une séance de studio ou même sur la tournée, je change les cordes avant le concert et le son est à la fois précis et rond, donc ça j'apprécie beaucoup. Et en plus, je trouve que sur la cinquième corde, sur le si, on arrive à avoir un son qui bave pas, avoir vraiment un son équilibré. Donc vraiment, c'est vraiment un choix de ma part d'avoir choisi les Blue Steel et j'en suis très très content. D'accord. Ah, il me semble que, évidemment, hormis la tournée avec Julie, tu as d'autres projets plus personnels, disons. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui. En fait, j'ai un projet qui s'appelle Urban Addict. J'ai monté ce projet en 2005 avec une chanteuse qui s'appelle Emily. Et on a sorti 2 albums en autoproduction. D'ailleurs, Vincent, qui m'accompagne au piano sur la tournée, participe à ce projet aussi. Et c'est aussi une autre facette de mon métier. C'est-à-dire que là, je ne fais pas que la basse, je fais toute la réalisation, l'enregistrement, la composition, les arrangements et même la production des disques. Donc là, je vois l'autre côté du métier. Du coup, c'est vrai que sur une tournée comme celle de Julie, c'est cool de retrouver juste sa fonction de musicien et de bassiste. C'est un vrai plaisir. C'est plus calme. C'est plus calme. Moins de soucis, entre guillemets. Il y a une autre pression. Disons qu'on nous demande d'être là, d'être présent dès la première note jusqu'à la dernière note du concert. Il faut vraiment assurer. Et ce n'est pas du tout la même pression. C'est une autre pression que le fait de porter à bras-le-corps son propre projet. D'accord. Écoute, merci beaucoup Guillaume. Merci beaucoup. Bon concert pour ce soir et ceux à venir. Et puis on se retrouve j'espère très bientôt. Ouais, à très bientôt. Ouais, on reparlera de tes projets, peut-être avec justement Emily et Urban Addict. Avec plaisir, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée.